Et salut à tous, on se retrouve pour la nouvelle présentation d'un nouveau système. Alors, calmez-vous, je suis sur une vidéo que je vais lancer incessamment sous peu. Donc c'était pour faire un petit tour nostalgique, bien sûr, de l'ancien système. Donc là, on voit par exemple les stats que ça donnait. Donc c'était un système où vous devez collecter des étoiles de ninja pour avoir des petits bonus en fonction des ninjas de la collection, oui, n'est-ce pas? Lorsque vous augmentiez d'une étoile dans ces personnages de cette collection, vous gagnez un petit peu de statistiques en plus. Et ce sont des choses qui ont changé, donc vous pouvez échanger avec des points solaires, lunaires et des points de survie qui étaient surtout utile pour ce système-là, tandis que les solaires et les lunaires, c'était pas. Il y avait d'autres applications dans la boutique, bien sûr. Donc là, on peut voir les statistiques que ça donnait. Donc bon, c'était pas exceptionnel. Enfin, c'était correct sans plus. Bon, voilà tout simplement. Alors là, ce que j'ai voulu montrer à l'écran, c'est les bonus en étoiles. Par exemple, lorsque vous montez Magui de d'une étoile à deux, vous gagnez 5 points de statistiques, etc., etc. Donc je vais faire un peu pour tous les ninjas étoiles, sachant que bon, bien sûr, des ninjas de 3 étoiles ou 4 étoiles, c'est la valeur des statistiques et gagnée était la même. Donc voilà. Ensuite, j'ai fait un petit tour, bien sûr, de mes statistiques, puisque je sais que c'est un système qui va donner pas mal de statistiques. En tout cas, on l'espère. J'ai eu la confirmation par Sion ce matin qui a gagné quoi 100K combativité. Donc, c'est plutôt pas mal, on va pas se le cacher. Donc voilà. Donc, on voit toutes mes statistiques en l'occurrence. Bon. Elles sont ce qu'elles sont. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir le gain, bien sûr. Et puis, évidemment, j'ai regardé les gros du serveur, bien sûr. Hein. Donc, Vaeline, bien sûr, j'ai regardé un petit peu toutes ces statistiques. Voilà. Ça va être intéressant. Je pense que je vais uniquement détailler pour la P1 de Vaeline en soi-même. Et si vous sautez. Obtenir les gains en pourcentage et tout ça, ce que je vais essayer de faire en direct. Ne faites pas chez vous, bien sûr, c'est fait par un professionnel. Vous pouvez éventuellement le faire tout simplement. Voilà pour Landry. Et je vais m'arrêter à Athéna, je crois. Voilà. De toute façon, c'était un truc que je pense qu'il était intéressant de regarder un peu en termes de gains. Et comme c'est une vidéo, bon, bah, j'ai voulu tout traiter. Et voici la fin de la vidéo. Et on va passer maintenant au live. Donc, j'avais 358 000 de combativité. Maintenant, avec le nouveau système, j'ai. Ah merde! Je ne pensais pas gagner autant, bordel de. Bon. C'est bon, j'ai essayé. J'ai réussi à ne pas glisser. Donc j'ai gagné 56K. C'est plutôt pas mal. Donc. Pourquoi vous avez obtenu ce gain en combativité? Puisque le système de collection qui était là. Qui n'est plus là actuellement, a disparu. En contrepartie, lorsque vous regardez au niveau des étoiles, donc vous avez le bonus en statistique de 20%, donc ce qui était précédemment. C'est un bonus pour toutes les statistiques ici présentes, et vous avez surtout. Des valeurs en termes de des bonus supplémentaires qui sont rajoutés à votre compte. Donc le main en l'occurrence c'est 7% de PV
et 60 d'initiative, ce qui est plutôt pas mal, sachant que tous les ninjas ont des valeurs différentes. Par exemple, enfin, soit ils ont des critères ou des points de vie différents. Donc, soit des critères, soit des valeurs en soi-même. Puisque. Attendez. Ça rajoute ça en plus, d'accord. Attendez. Ah, c'est les valeurs en pourcentage que ça rajoute. Ok. Bah, c'était un petit peu ce que je souhaitais faire, mais très bien. Et ce que je remarque, c'est que en fait, ça donne plus ou moins toujours de la première attaque en deuxième position, ce qui est plutôt c'est plutôt pas mal. Ce que je remarque aussi, c'est que certains personnages ont vraiment des grosses premières attaques de assez énervées. Et je crois que c'est des personnages qui sont très importants pour l'histoire. Je crois qu'il y a Naruto Hermite. Il y a Pain aussi qui. Faut que je retrouve. Enfin, Tendo quoi. Pain Tendo qui a 50 aussi. Les autres sont un peu plus faibles. Et ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que les ninjas de. Qu'on récupère dans un premier temps dans l'aventure, ils ont des premières attaques assez faibles. Attendez, je vais vous en montrer un si j'arrive à le retrouver, bien sûr. Ignata, voilà, plus 5. Ça fait un peu mal, mais bon, c'est toujours prompt à prendre. En tout cas, ça nous a donné beaucoup, beaucoup de statistiques. Hein. Donc, je reprends mon petit carnet, bien sûr, puisque j'ai noté les. J'ai regardé avant vous la vidéo que je viens de vous montrer. Donc, vis-à-vis du gain en combativité, alors ce qui est peut-être le plus intéressant, c'est en termes de P1. Ah, d'accord, j'ai gagné 20 000 sur ma P1. De combativité, plutôt pas mal. En termes de PV, j'ai gagné 2000. Ce qui nous fait, à la louche, je sors ma calculette. Vous le voyez pas, mais en fait. Attendez. Comment. Oui. Bon. En fait, ça va être un peu long de faire ça sur tous les ninjas de toute la Terre. Donc, bon, je vais faire en termes de points de vie pour voir un petit peu ce que ça donne, bien sûr. Hein. Ça y est, je ne sais plus. Je suis en full panique devant ma calculatrice, mais tout va bien se passer. Donc, faudrait que je divise par combien là? Problème de mathématiques. Très bien. Ok, j'ai gagné 5% de. 5% de points de vie. Attendez. De manière globale, ça a l'air d'être ça. Non, je ne sais pas calculer, peut-être. Bon. Écoutez, on verra bien. On verra bien. Laissez les stats. Ceux qui aiment les stats faire leur travail, ils feront ça pour moi. Donc, ce que je peux peut-être remarquer, c'est les valeurs qui ont augmenté. Donc, on a la vie, la valeur en attaque a augmenté de 2000, la valeur en défense a augmenté de 2000 aussi. J'ai l'impression que tout a plus ou moins augmenté de 2000. En termes de ninjutsu, ça a augmenté de 3000. Enfin, entre 2000 et 3000, quoi. Et en termes de résistance, ça a augmenté uniquement de 1000. En termes de première attaque, on a gagné. Attends, quoi? Non, on n'a pas gagné 3000 de première attaque. Oh putain, c'est tellement excellent. En termes de taux crit, la valeur n'a pratiquement pas bougé. Mais je crois qu'on en a perdu un tout petit peu. Il me semble qu'on a perdu. Entre 300 et 400 taux critiques, ça doit être la valeur
dès la collection précédente. Peut-être qu'il n'y a pas de taux critique plus en pourcentage. Alors, dégâts critiques, on a un tout petit. On a perdu 500. En termes de combo, est-ce qu'on a gagné des trucs? On a perdu 500 aussi. En termes de contrôle, on a perdu. Attends, quoi? Oui, on a perdu. On a perdu 500. Bon. On a perdu là, mais on a gagné beaucoup de statistiques principales. Le fait que tout le monde ait perdu des statistiques, enfin, que ça fonctionne pour tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde a plus ou moins perdu des statistiques secondaires. Bon, c'est pas si grave que ça. J'ai l'impression d'avoir gagné 2% dans toutes tes statistiques. Plutôt pas mal. Est-ce que. Ah, j'aurais bien aimé que quelqu'un dépasse la barre des 1000 de combativité au niveau de ma P2. Mais bon, on va pas. C'est déjà bien. Oui, pour ceux qui demandaient où étaient les ninjas, puisque bah ils ont des points de survie, etc., ou des points solaires, si jamais ils étaient en train de farmer. Quelque chose, on va peut-être, je vais vous présenter où c'est. Donc c'est dans collecter. Donc ici vous avez les ninjas qui sont disponibles pour l'échange. Alors il me semble que, alors j'ai regardé, j'ai refait mes petites recherches, etc. Il me semble qu'il y a un grand absent qui est le Kakashi jaune. Donc ici vous pouvez voir les ninjas disponibles à l'échange. Vous pouvez rechercher. Donc Kakashi, non pas Kakashi jaune, Kakashi paradis, qui n'est pas disponible. Bon, un petit peu dommage. J'aurais bien aimé le prendre. Après je sais pas s'il est disponible dans un autre endroit ou pas du tout. Vous avez une fonctionnalité pour enlever les ninjas que vous avez 5 étoiles. Donc ce qui permet tout simplement de mieux vous y retrouver et d'acheter des ninjas, des fragments de ninja qui vous seront réellement utiles. Donc voilà. Et enfin, on va peut-être regarder notre ami Valide, bien sûr. Donc il y avait 1 million, 1 million, 1 million 105, c'est bon, 1 million 111 000 de combativité de manière générale. Il a gagné. Ouh la vache, il a gagné 110 000 de combativité, plutôt pas mal, on va pas se le cacher. Alors, au niveau des statistiques, alors j'ai regardé que pour sa P1. Parce que ça va. Ok, il a gagné 3000 de points de vie à peu près. Au niveau de l'attaque, il a gagné 4000. C'est pas mal ça. Au niveau de la défense, 2000. Au niveau du ninjutsu, ça y est, j'ai bugué. 5000. Quoi? Ok. Au niveau de la résistance, 3000. Bon. En fait, c'est ce qui explique, c'est que bah, vu qu'il avait des valeurs plus hautes que moi d'un point de vue pourcentage et tout ça, bien sûr, vu qu'il avait des valeurs plus grandes, on a gagné à peu près le même pourcentage, à tout casser, bien sûr, hein, calmez-vous. Mais donc du coup, vu que ses valeurs étaient plus hautes de base, bah, vu que c'est des pourcentages, bah, il a gagné plus de statistiques que moi, bien sûr. Au niveau de la première attaque, est-ce que j'ai regardé ça ou pas du tout? Ah oui, il a gagné 5000 de première attaque et il a perdu à peu près entre 400, entre 300 et 500 dans les autres éléments. Donc bon. Bref. Et ensuite, je suis classé. Ah, ça n'a pas été pris en compte, mais en tout cas, j'étais 369 000. Attendez, on va observer où on est. Donc ça c'était avant de prendre les statistiques du système. Aujourd'hui je suis à 4000.
4100, 4000. 4000. Ok, je vais être entre les deux là. Donc 54e, vu que je vais prendre la place de Willis. Et avant, auparavant, j'étais classé combien? J'étais classé 69, 63 là, on le voit juste ici. Hein. Donc j'étais sur dans sa vidéo d'ailleurs, ça doit. Les qualités doivent pas être optimales bien sûr, mais bon, c'était quand même quelque chose. Donc j'étais. Attends, quoi? J'étais 63, d'accord. Donc j'ai gagné un peu. Et je ne sais pas si les autres collègues ont gagné leur points. Donc voilà. Voilà, ça y est. Je dois faire mes quêtes, bien sûr. Les quêtes du matin, bien sûr. Les quêtes. Donc voilà. Bon. Je pense que j'ai rien oublié. Si j'oubliais des trucs, bah tant pis. Tiens, les événements, tiens, je peux tenter de les faire. Je vais m'improviser au flow et puis. Tiens, Babi, ok. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Ok. Alors, c'est pas mon métier donc. De faire ça, donc ça va être terrible. Tiens, il y a une nouvelle mode, ça. Chignon de prospérité. Est-ce qu'elle est bien? En termes de statistiques, ça y est, j'ai perdu le truc. Téléphone qui sonne, je lui ai fermé son clapet, bien sûr. Première attaque plus 200, ah oui, d'accord, contrôle plus 400. C'est une bonne tenue. Hein. Et après, bon, en termes de, oh putain. Plutôt assez onéreux, n'est-ce pas? Au niveau de. Ok, ça c'est intéressant quand il sera percé. Bon, ça. Bah, du coup, remplir la collection ninja, limite. C'est intéressant avec ce nouveau système. Pêche joyeuse. Il y a quoi d'intéressant? Oh, couronne que j'ai pas. Ça aussi, c'est très très bien ça. Les deux autres, je les ai déjà. Bon, ils sont bien, mais. Oh, magasin temporaire. Ah, j'aurais pas assez de coupons, malheureusement. Aucun, là. Alors, Tsunade, méfiez-vous, c'est pas la bonne. Hein. C'est pas celle qui ne meurt pas durant les deux premiers tours. Donc, faites attention. Lisez bien les sorts, bien sûr. Hein. C'est juste le cinquième Hokage qui était pas mal, fut une époque. Il s'est fait power creep, bien sûr. Hein. Notre professeur Kilroy emploierait ce terme, bien sûr. Donc je vais un peu lui voler ce terme. Puisque je fais n'importe quoi, bien sûr. Donc, Madara, ok. Nouveau système. Je crois que le nouveau système, il monte pas beaucoup. Donc je vais peut-être pas me concentrer là-dessus. Hein. On va bien voir ce que ça donne. Alors là, il y a plein de trucs bien. Là, il y a ça, là, les coupons d'entraînement. Les lettres qui. Oh, les agents de test, si vous avez besoin. Des filles à déconseiller, bien sûr. Et les dons du monde, bon. C'est bien, mais c'est pas non plus exceptionnel. Donc, bien évidemment, Naoto, Chakra Tsubi, même en 4 étoiles, il se fait malheureusement dépasser. Donc, essayez de ne pas le prendre, bien sûr. Jigo, bon. Ça peut être intéressant. Conan qui est un peu dépassé, mais qui me donne bien en. Ouais, je sais pas. Et le Kabuto que tout le monde a eu, qui a un assez bon ninja. En vérité, pour un ninja qu'on nous a donné à Halloween, c'est vraiment. Il est vraiment, vraiment très bien. Pour un ninja gratuit. Puis bon, contrôlé par le sang, bien sûr. Ninja qui a quelques poussouilles, puisqu'il repose sur le marquage, bien sûr. Et avec tous les ninjas immunisés. Ça ne fonctionne pas très très bien. Suppléant de taillissement. Oh, ça c'est super comme événement ça. Route dérobage. Alors vous dépensez des coupons dedans et vous obtenez des récompenses. Donc pour faire votre calcul, prenez la récompense qui vous servira le moins. Là je pense que
La pire, c'est les sacs de Magatama. Puisque bah, vous en avez gratuitement dans l'examen ninja. Donc, si vous dépensez pour avoir 50 sacs de Magatama, vous obtenez une boule jaune. Bon. Ouais, c'est pas la panacée, on va pas se le cacher. Pas que c'est optionnel de spectacle. Ouais. Ça doit être un fragment de spectacle. Ouais, c'est pas exceptionnel. Bah, surtout, quand vous voyez un truc comme ça, essayez de raisonner en qu'est-ce que vous obtenez de pire. Et sur un coup de chance, bah, vous obtenez les autres récompenses. Ah oui, d'ailleurs, si vous cherchez les personnages, vous en obtenez. Donc ça va être très rare que vous allez tomber dessus. Et vous allez même pas l'obtenir en entier. Donc n'allez pas chercher les personnages dedans, c'est beaucoup trop hasardeux. Commerce de Makiniki, Neko. Bonjour à tous. Oui, c'est toujours le même. Toujours le même Naruto. Naruto Ronin, bien sûr. Pas exceptionnel, bien sûr. Hein, c'est pas. Bah, c'est bien un peu comme Eruzanedo quand lorsque vous avez 2 millions de combativité plus que votre adversaire, mais la combativité égale, bon, compliqué quoi. Il suffit que le moindre contrôle passe et. Compliqué quoi. Donc, ça, c'est un événement où il faut dépenser des coupons dedans. Hein. Les coupons d'entraînement ne fonctionnent pas. Hein. Je crois que c'est précisé quelque part. Seuls les entraînements avec hors coupons sont pris en compte. Voilà. Donc les coupons d'entraînement ne sont pas inclus. Ah bah c'est envoyé, c'est écrit juste là. Donc il suffit de faire bien attention. Et on se fait pas voir. Bon, je pense que la vidéo a duré bien 1 heure là, une bonne heure là, 4h50 là, ouais je connais, ouais. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Attendez. Ah oui, j'avais déjà vu ça. Ah oui, ça donne des trucs, des bouquins de percée. Ah oui, mais c'est sur les ninjas, soit qu'on peut farmer, soit qu'ils ne sont pas d'une importance capitale. Et ça demande quoi? Ah, des parchemins de sceaux. Ah non, ne faites pas ça, ne faites surtout pas ça. Hein. Et parchemins de sceaux, c'est. C'est beaucoup trop important pour Hashirama. Pour Hashirama Edo, qui est ici. D'ailleurs, je crois que lorsque vous obtenez. Enfin, j'ai regardé un peu à droite à gauche, mais lorsque vous obtenez Hashirama, donc je sais pas si c'est en version normale ou en version Edo. En version normale, je suis sûr, vous obtenez 50 d'initiative. C'est plutôt intéressant, on va pas se le cacher, bien sûr. Attendez, est-ce que j'étais suffisamment intelligent pour préserver un truc pour monter éventuellement en termes d'étoiles quelqu'un? Je pense pas. Hein. Je pense que j'ai pas été suffisamment prévoyant pour monter un truc, pour penser à un truc comme ça. Hein. Je pense que malheureusement ça va pas être possible, hein, malheureusement. Gaï porte de l'extase. Attendez, j'ai peut-être moyen de. Est-ce que j'ai gagné en combativité? On est d'accord, jusque-là tout va bien. Donc, pack de combativité, bonjour à tous. Hop, porte de Gaï. Oh là là, je suis sauvé par. Par ce gain en combativité. Ah, 24 plus et j'aurais réussi à obtenir 1000 coupons. Des petites récompenses, bien sûr. Paire de clochettes. Bon. Si vous voulez, pourquoi pas. Tiens, ça, c'est pas mal, ça. Ça y est. Oui, qu'est-ce que je. Oui, le gars. Donc, alors, petit point négatif pour ce gars, bien sûr, c'est que. Alors, gars, un personnage foudre, hein, ne l'oubliez pas. C'est que, malheureusement, ses valeurs sont assez faibles par rapport à d'autres, bien sûr. Ah, ah non.
Ok. Je pensais que c'était pour être un ninja avec des assez petites valeurs dans ce. Les ninja coffres, ils sont classés comment dans le 20, ok, 20. Ah oui, ça dépend de la qualité la qualité des. Bon, on va monter Guy, donc on a obtenu 3%. On obtient toujours les 20% et on va gagner 2 de première attaque. Bon, c'est pas la panacée, mais c'est toujours ça de gagner, bien sûr. Voilà, donc je suis passé de. J'ai gagné 0,3 de Taijutsu. Je regardais sur Kushina qui est la ninja avec le plus de. Ah oui, mais j'ai pas. Ouais. J'ai pas pris en compte le précédemment. Bref. Sagdap, hein, très bien. Bon. Bah du coup je vais m'arrêter là sur cette vidéo qui était c'est un petit plus. Ouais, j'ai gagné 21 de probabilité, ouais, c'est pas. C'est bien, mais c'est pas non plus exceptionnel. Bon. Bah écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu du coup. Et attends, je vais arrêter ça parce que c'est pas peut-être pas très poli de faire ça en même temps que je vous quitte, bien sûr. Donc, en résumé, plein de gains de combativité. Vous obtenez. Enfin, vous pouvez changer des fragments là. Pensez à cocher cette case. Pour prendre que des ninjas dont vous avez réellement besoin. Et voilà, petit absent peut-être le Kakashi Paradis qui est hop là, obtention d'événements qui bah même si vous étiez en train de le farmer ben bah, pas de chance, n'est plus là. Je sais pas s'ils l'ont intégré dans un autre système, tout ça, mais j'en doute fort pour l'instant. Donc voilà, c'est sympathico sympathique. Donc bah écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi j'ai bien aimé avoir plein de gains de statistiques, donc bon. C'était plutôt pas mal, on va pas se le cacher quoi. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.